La 208, elle est prête. Let's go les gars, je ne vais pas rater les meilleurs tacos de Lyon, c'est hors de question. Donc je prends mon téléphone tout de suite, je vais chercher Moha tout de suite. Et direction Lyon. Alors, on va voir ça a combien de temps. Je vais exactement à Villeurbanne. On est la nuit, donc normalement on devrait pas avoir trop de bouchons. Il est 6h06, exactement 6h06. 4h24, attendez je vous montre. Bon les gars, on y va, on va chercher Moha et c'est parti. Que le road trip commence pour aller bouffer les meilleurs tacos. Tacos, on arrive. On arrive les tacos. Ah bah avec les tacos pour moi. Ah avec les tacos. On arrive les tacos lyonnais. C'est super lourd ton bordel. Bon allez, ciao. Ciao. Et là par contre comment on coupe? Pas encore pris l'autoroute. Non, non. On pourra même pas manger les tacos. Oh, on est en peine. La vie de ma mère, on est en peine. La vie de ma mère, je suis en peine. Là, fallait bien commencer le truc. Bop, bop, bop. Bébé. Non, j'ai pas d'essence. Les gars, je suis en panne. C'est un panne d'essence. Ben oui. À ce point-là. Ben oui. Tu vas me chercher de l'essence, s'il te plaît, mon agent. Allez. Fares, tu vas nous chercher de l'essence, Fares, ou pas? Vas-y, j'arrive. Les gars, la vie de mer, ça va redémarrer, j'ai même pas mis d'essence. Attends, mais là, par contre, je suis sur le volant. Fuck l'essence. Fuck l'essence. Fuck, ouais. On a même pas mis d'essence, calme-toi, mais lâche. Les gars, on a même pas mis d'essence, ça va redémarrer. Let's go, la tête de ma mère, je vais les avoir, mes tacos. Même si je tombe en panne, même si je tombe en panne 10 fois. Ah ouais, bécif, alors. Bécif, je vais les bouffer, mes tacos. Moi, s'il te plaît, je t'ai envoyé ma log sur WhatsApp, viens me chercher, je t'en supplie. C'est quoi ton essence? Diesel. Quoi, mais t'as un lanceur, je remplis une bouteille et j'en ai... Non, moi je suis pas à l'entrée, je suis au feu. J'arrive, j'ai cherché une bouteille, il va falloir pousser, hein. Vas-y. C'est notre sauve. Eh, Farès, je suis désolée que tu m'aies poussé, que je t'ai laissé tout seul comme une merde. Et il va avec qui, Farès? Il m'a raccroché au nez, là, c'est une blague. Mais Farès, je crois qu'il est encore sur le trottoir là-bas. Mais bon, Farès. Farès, il m'a poussé, il a poussé ma voiture, ça a marché, je suis partie, je l'ai laissé tout seul. Pas Farès Salvatore, hein. Ah, ils vont pas faire le lien. T'es au courant, c'est Farès Salvatore. Farès et Flashland. Là, les gars, wallah, wallah, on est vraiment en panne. La vie de ma mère, on a même pas commencé le périple. On arrive dans combien de temps? Je vais vous dire, on arrive dans combien de temps à Lyon? On arrive dans 5h. On arrive dans 4h30, on est déjà en panne. Ah. Regarde, il a pas compris qu'il fallait me dépasser le monsieur. Désolé, c'est pas de ma faute. Toutes les voitures me regardent mal. Et c'est quoi cette discrimination des gens en panne là? Ah mais avec le camion ça va être... Le camion il va péter un plomb, hein. Oh le camion. Oh putain les gars, je suis en train de bloquer un camion. Désolé, je suis en panne. Putain, c'est encore feu rouge, ça fait combien de temps qu'on est au feu rouge? Mais grave, il a grillé le feu rouge là par contre. Oh. Alors plaque EP 910 SSV. Police. Venez chercher dans mes vidéos YouTube. Non mais attends, par contre ils sont partis à quelle station? Ils sont... Les gars, la vie de la mer, c'est plus drôle. Wallah, c'est plus drôle. On est tombé en panne au milieu de la route, on bloque tout le monde. Ouais, mais non, on peut pas. Non, je vous jure, c'est vraiment pas une blague, monsieur. Mais soyez. Si alors. Mais non. Attendez, il y a un monsieur qui me pousse. Qu'est-ce qu'il fait avec son appareil photo? Je suis une youtubeuse de merde. J'ai le droit d'être une youtubeuse. J'ai encore le droit d'être une youtubeuse quand même. Non, monsieur, vous inquiétez pas, la pompe à essence, elle est là. Il y a mon frère qui me ramène. Appuyez sur l'embrayage. Mais il y a mon frère qui me ramène de l'essence, il est juste là. Personne, mais appuyez sur l'embrayage, on va vous sortir de la voie. D'accord, d'accord, j'embraye. Putain, il bat un pont, le mec. On va attendre de l'essence. Oui, je suis désolé, pardon. Il me crie dessus. Non, mais y'a un, soyez pas désolé. Vite, 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 ouais, allez. Merde. Non, mais lui, il allait me frapper ou quoi là? Il était aigri. Il a dit, y'en a qui veulent aller au travail, merde. Bah ouais, mais bon, ma soeur, faut pas être aigri comme ça. Oh, je tombe en panne. Oh, il va péter les ponts. Oh, il va péter les ponts. Y'a une voiture? Non. Ah, c'est quoi ce foutoir? Ah, mon dieu. Mais ils sont où? Ils sont même pas à cette station là en plus. Pas grave, on met de l'essence là. Champagne, champagne. Bah c'est bon. Va pousser, va pousser, va pousser, vite, vite, vite. Bah elle avance toute seule, tu vois pas? Ouais, c'est... Mais dis pas qu'il y a pas de diesel ici. Allez, diesel. Oh, pousse, pousse, pousse. Ça avance plus. Ah, là, c'est bon, c'est bon, là, c'est bon, c'est parfait. Et diesel. Ok les gars, c'est bon. Le road trip peut commencer, t'es prêt? Ah ouais, je suis trop prêt. Let's go. Oh, Momotana, le sauveur. Oh là 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 là. Voilà, tiens, prends-les, c'est pour toi un cadeau. Il nous a ramené ça parce que de base on était pas sur la pompe à essence. C'est bon? Oui, c'est bon.
On les met ou pas? Elle a redémarré, bah non, mais. On les met, on les met ou pas? On les garde au cas où. Mais c'est un monsieur, il m'a poussé. C'est quoi, tu l'as nettoyé avec de l'essence là? Non, les gars, on les garde au cas où on retombe à panne. Bah vas-y, garde les tiens. Tu peux regarder ces précautions, hein? Je dois dans ta voiture pour nettoyer les mains. Mais je m'en fous de nettoyer les mains, j'aime bien dans de l'essence. Ouais, je t'en fais la queue, ouais. Bon les gars, là on est à l'aéroport. On attend Anaïs. Que figurez-vous que Anaïs est de la partie. Qui dit tacos dit Anaïs, elle a couru, elle a pris le premier vol. Donc là on attend parce que en fait l'avion est pas encore là. Enfin le train est pas encore là. Et on n'a pas envie de payer le dépôt de minute. Donc du coup, voilà les techniques à Lyon. Tout le monde sur les côtés. T'as passé un bon voyage avec ta chérie d'amour? Ouais, c'est moi qui a conduit le plus. Non, avant arrête d'inventer par contre. On va se mettre d'accord 2 secondes en fait. La vidéo c'est pas un vlog, ok? C'est une vidéo dégustation de tacos, donc j'arrête de filmer tout de suite. Ciao. Allez, c'est content que tu as mangé les tacos? Ah, je suis trop contente. Je le régime. Camélia Mohanaï, je suis désolé de vous avoir martyrisé pendant toute cette semaine dans le camp militaire. Mais après l'effort, c'est le réconfort. La familiale. La familiale. Comment allez-vous? Je suis trop contente de te voir, la familiale. Ça? Oui. Bah t'es là, tu vas être encore plus contente. Pourquoi tu m'as ramené quoi? Là, vous avez été martyrisé pendant une semaine. Oui. Vas-y, venez la familiale. La familiale. Venez la familiale. La familiale. Attends, elle est où ma vidéo YouTube? Ah, il est là mon caméra. Les escaliers de la mort. Les gars, là. Julien, on a une surprise. J'ai un luxe. Retenez bien, c'est après l'effort, le réconfort. C'est... Mais déjà, la surprise. La surprise, elle est déjà là. Hein? Attends. Attends, va descendre un tout petit. Non, on descend. Attends, un tout petit. C'est pas la surprise. Attends, juste vite, allez. C'est quoi la surprise? Les gars, on est là pour manger des tacos. Fares nous a fait la surprise de venir et au final il y a une surprise encore. J'ai raté un moment. Anaïs, je vois c'est quoi la surprise? Je crois que c'est un gros tacos XXL. Moi aussi j'espère. Je reste avec toi. Oh, écoutez la surprise. C'est bon les gars, vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Mais ils vont me tuer. Alors là, j'ai mal. Là, je monte dans la bagnole. Alors. Alors là. Je fais la surprise. Ça, c'est la surprise du chef. Tu sais, c'est quoi? C'est un menu tacos pour toi. Il y a que toi qui va le manger, pas eux. La surprise qui m'a fait Fares. Regardez-moi. C'est à moi le tacos? Ça, c'est pour toi. Tu vas venir déguster, mais attends. Oui. Les gars, Anaïs, faut pas qu'elle salisse les mains. C'est-à-dire, pour pas qu'Anaïs se salisse les mains, c'est moi, je vais te tenir et tu vas manger quand tu me dis. Y'a pas de problème. C'est-à-dire, tu me dis, monsieur, j'ai faim. Ouais, là, tu fais un gros. Par exemple, là, t'as quoi? T'as faim? J'ai faim. Dans ma petite surprise. Tranquille ou dans ma petite surprise. Ça veut dire que cette semaine. Moi, j'ai pas le tacos. Non, mais y'a pas de souci. Allez, si t'as fait un gros. La chance. Mais vous êtes jalouse? Oui, je suis. Mais allez-y, madame, tapez un croc. Merci, monsieur. Mais y'a pas de soucis. On est dans le thème ou pas? Mais. Moi, vous êtes. Ah, ok, d'accord. J'ai pas faim. J'essaie. Est-ce que c'est les meilleurs tacos de Lyon? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ça, c'était un encas en gros, parce que vous avez fait de la route. Mais maintenant, meilleure dégustation à l'intérieur. Ça veut dire que là, vous pouvez déguster tout ce que vous voulez. Je peux déguster les chauffeurs? Alain, tu peux déguster les chauffeurs? Je déguste les chauffeurs, moi ou pas? Anaïs, tu peux déguster d'ici. Ouais. À ici. Tu choisis quoi? Là-bas. Là-bas. Je déguste les chauffeurs, moi je veux les déguster. Je veux te déguster les chauffeurs. On y va, les gars. Anna. Allez, on monte à la surprise, Nadine. Au secours, comment je fais pour avancer? Comment je fais pour avancer, Nadine? Mais t'avances lentement, ouais. Je suis en paix là. Franchement, tu veux pas être en paix avec ton cœur et ton âme? C'est ça que tu veux pas? Ouais. Mais c'est parti pour la course. Je veux jamais rester derrière un bus. C'est la devise. Tiens, voilà, avant qu'elle tombe. Mais là, je suis allé au maximum, Strada. Non, Strada, ça veut dire ne pas devoir sortir 300 000 euros pour la voiture. Ouais, non, mais regarde, mais là, c'est pareil, Salvatore.
Il est là. La team Shkouloum. Ok, tape une grosse Axel, imagine. Oh hell no. C'est bon, il t'a dit passe. Merci, Pélo. Le papa, elle a pas cassé la voiture, c'est 5000 euros quand même. Elle est consciente. Ah, mais il faut revenir sur ton téléphone, j'aime voir ça déjà. Wow, elle est trop bien la voiture. Mais tu sais qu'elle est super confortable par contre. T'as vu? Tu m'as trop bien accueilli. Je vais faire quoi quand je viens à Paris? Je traîne un jet là? Non. Bah si. Ouais, là, juste. Non, là tu mérites un jet privé là. Non. Mais les gars, la prochaine fois que Paris vient à Paris, on vient le chercher comment? Bon, rien, juste rien les gars. Juste Anaïs, elle vient. Où? Avec moi, ah, mon préféré! Alors là. Tu viens quand toi? La semaine prochaine, je prends un Airbnb. Hey! Quoi? La famille cartonnée. Tu peux regarder ma chambre à travers Airbnb? Vas-y, c'est bon. De toute façon, on prend un Airbnb. Personne me dit que j'ai une coupe de folasse. Comme si les gens ils allaient regarder ça alors que tu étais avec un Lambo, quoi. C'est encore. Genre, ça montre encore plus que tu t'en as rien à foutre, tu vois ou pas? Que je suis humble. Yes, je suis à gauche, hein. On va voir comment t'es humble là. On va voir comment t'es humble. C'est des plans que tu détestes. Montre comment t'es humble, toi. Non, mais gars. Montre comment t'es humble. Moi? Ah, c'est comme ça qu'on est humble à Lyon. J'aime trop le bruit de la Lamborghini. Anaïs, tu te calmes tout de suite par contre. Bon, c'est une grosse Lamborghini, s'il vous plaît, les gars. On est en train de GVA. On va pas ton volant, voilà. On est en train de GVA, les gars, dans la Lamborghini. Mais mets-toi à gauche, là, là-bas. Quand il y a le volant, quand il y a le volant, ça lui va trop bien, la Lamborghini. Alors, je vous explique que là, on va aller acheter des tacos avec Samy. On m'a confié des tacos. On m'a confié à moi des tacos, alors. En mode, je récupère le sac, je le mets dans la voiture et je regarde le sac, genre, posé par terre. Je vais faire un gros, écoute-moi, on va monter. La sauce fromagère va dégouliner. À tout à l'heure. Cache abandonné, voilà. Là, je vais faire un coup. T'as vu, là, je vais faire un gratiné. Un gratiné. Vous avez vu le gratiné? Là, on va redéter. Un gratiné, je vais manger dans la voiture. Ça va te niquer. C'est un gratiné. Tiens, fada, toi. Je suis trop content de manger des tacos. Franchement, je trouve que Camélia, elle a vu mon estomac. Parce que j'avais envie de manger un tacos. Chalet, mange pas tout, j'en mangeais un tout seul. C'est ça qui m'énerve. Mais à moi aussi. Non, c'est bon. Non. Mais c'est comme ça, on en reprend un autre en fait. On va manger une trois en même temps. Je rigole avec toi. C'est bon, je te laisse le tien, que pour toi. Merci. Que pour toi. Merci. Vas-y, prends le sac, moi je dois filmer là. Voilà, c'est ta graille ou pas? Allez, cours, cours, parce que je vais faire un gros dans la voiture. Oh là là, comme ça sent bon. Pire que les restos, s'il te plaît. Ah ouais, mais cours, vite. On bouge. Non, ouvre la voiture là. Attention, les tacos. T'inquiète. Non, non. Si, si. Ah, mais ça, c'est un supplément, ils savent pas ça. C'est que ça, on peut le taper nous. Hmm? Je peux? Ah, c'est chaud. Ah, laisse-moi ça. Cache-les. Ça, c'est pour. Ça, c'est supplément. On va les manger avant de monter dans la maison. Vas-y, c'est bon. Mes amours, là, on est sur la route. On a pris tout le manger. On est sur la route. On se retrouve à la maison pour la dégustation. Du coup, c'est enfin le moment de la fameuse dégustation. Sachez qu'on a carrément prolong. Mais calme-toi, tu me fais peur par contre. Mais parce que là, en fait, elle est pressée de manger. Tu vois, elle a pas mangé depuis hier pour les tacos. Mais toi, de la saucer dans sa connerie. Si bah, allez, t'as méga. C'est pas normal d'être pressée comme ça. Tu peux lui dire, sois un bon ami. Non, mais à la fin. Ok, bah, allez, calme-toi. Du coup, c'est enfin le moment. On a carrément décalé notre séjour de un jour de plus pour pouvoir déguster ces magnifiques tacos. Donc, bien évidemment, on va déguster tous ensemble. Personne n'aura un tacos pour soi. Dans le partage. Dans le partage. Dans chacun croque, chacun donne son avis. Chacun note. Vraiment, il faut parler. Pas manger en silence, taper le tacos en 3 minutes. Et calculer les personnes en une bouchée. Pas savourer, pas donner son avis. Ok, Anaïs ? Une dégustation. Une dégustation, à la fin, pas une attaque. Mais à la fin, on pourra manger tout soir. T'as compris? À la fin, on pourra manger tout soir, un par un. Quelle fin? Ah ouais, on avait un. Non, si on a fini de croquer, on mangera un par un chacun. Chacun, il y en a trop de trois.
C'est vrai que les gars, c'est Alice qui a préparé les tacos quand même. Ben. On a oublié cette idée. C'est moi qui a préparé les tacos avec les cuisiniers de la marina. Ah, trop gentil. Franchement, pour l'instant, les gars, si les tacos sont bons, c'est du 20 sur 20. Parce que comme vous savez, en fait, le concept, c'est la vie de cam. Du coup, on juge les restaurants, etc. Donc, Anaïs, là, j'ai tout aussi jugé l'accueil, le durée d'attente, etc. La propreté, vu que moi, je n'étais pas là, malheureusement. Ben, y a pas de souci. Y a pas de souci. Moi, je suis là pour manger les tacos après cette. Après, on mange les tacos. Alors, quand on est arrivé, déjà, c'était trop doué. Les beans, la friture, tout ça. Les beans, la friture, l'escalope, tout ça m'a fait plaisir. D'accord. Vraiment. Mmh. Quand je suis rentrée, j'ai vu le poulet sur le côté, ça m'a fait encore plaisir. Ok, d'accord. La propreté, elle est au top. C'était propre. Ouais, c'était vraiment au top. Ils alors que j'ai des garçons, ça m'a pas de filles cuisinées. Ça veut dire quoi, ça? Ben normalement, il y a des filles, c'est propre, mais là, il y a quand même. Regarde au BDH, mais les hommes, ils sont plus propres que les femmes. Moi j'ai aimé aller chercher une tacos, dommage que je trouvais trop dans la voiture. Mais attends, mais pourquoi tu peux prendre côté de la plaque? Mais est-ce que ça fait attends, attends, attends. Mais, et... je t'ai demandé est-ce qu'ils étaient accueillants. Est-ce que t'as pris du non, temps? Non, ils étaient vraiment accueillants. Puis ce monsieur, c'est le chef. Il était vraiment gentil avec moi. Il était beau. C'est pas moi. Ok, et le temps d'attente? 10 minutes, même pas. Même pas 10 minutes, sur une partie sur la terrasse. 10 minutes pour de vrai? Mmh. Sérieux? Ça a été rapide par contre, parce que j'allais être vraiment dans le pays. Ils étaient en plein. Ok, bon, bah c'est le moment. Fight! Attends, attends. Oh oui, mais attends. Mais... Alors, allez, c'est le moment, les gars. Oh là 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 là. Déjà, regarde la taille, mon mec. On regarde la taille. Elle est là. Ah oui, c'est le bras d'Anaïs. On ne voit pas le bras. Un bras, c'est moi qui l'ai fait. Un bras. Oh là 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 là. On va commencer. Mais Anaïs. Les gars, je suis désolée, je commence. Il va fumer, il va vous êtes prêts, les gars? Vas-y, 2, 3, 6. Mais c'est ce ton Anaïs. Mais attends, tu as fait deux points, c'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu là-dessus. Oh, ça fait bien. Eh ben, qui a dit que j'allais passer après elle? Elle va jamais me vouloir me laisser goûter maintenant. Anaïs, là ma gueule, ça va monter. Non, attends. Mais j'ai pas goûté. Okay. Eh ben, tu me fais. C'est bon, je vais. Alors, tu t'en penses? Les gars, on va goûter en tacos. On n'avait pas goûté ces pépites, ouvrez les yeux. Oh mais c'est beau. Mais dis pas, c'est pas vrai. C'est oh là là. Les gars, mais l'entrée. Allez, allez, on y va. C'est malaise de plus court. C'est pas pignon. Elle part malaise. Tu fais sentir ça se réveille. Allez, 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 allez. Oh, oh non, mais ça va être chaud. Je pense que celui-là est d'un plus bon que celui-ci. Tu vas acheter dans la bouteille? Non, merci. Mais c'est là. Waouh, Camilla. C'est le premier coup. Y'a pas de soucis, moi, je sais pas. Oh la 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 la. Ah mon dieu. Mais je crois que ça va être à ce point là. Un monument d'accouchement. Non, c'est une dame de couleur. Oh, un monument. Non, doucement, doucement. Là, j'ai de l'ordre de la mer là. Ah voilà. Non, mais faut avoir. Jamais, au moment de remettre. Non, mais j'ai jamais vu un tacos aussi bon que celui-là. Oh, mais attends, mais là, t'as pas suivi la chaîne. Elle est folle, elle fait des escales. Vous aurez là, alors, les gars, je crois que vous voyez pas bien. En fait, je comprends la flemme autour des tacos ici. Ah ouais, de malade. C'est moi qui a pris la garniture. Je savais qu'il y avait la mozzarella et le chef roumain. Ouais. C'est moi qui lui a dit de racheter le chef roumain dans la mozzarella. Il est incroyable. Non, mais c'est pas vrai, mais vas-y. Mais il est super bon. Waouh. Un petit peu. Tu bois ça. Eh ben. C'est un délice. Vraiment, un délice. On passe au prochain. Le prochain tacos, tu nous le présentes? Oui, le prochain c'est un boursin kiri. J'ai voulu mélanger les mentales. Non. Comme ça, il y a beaucoup de calcium qui vient dans le bras. Comme ça, il y a beaucoup d'os qui rentrent dans le bras. C'est bien. Ah, mais finis de parler. La musique. Nous, on va faire la musique. On est des tubes. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a deux. Le boursin, il est fait, je prends l'herbe de Provence, ma bouche. Je sens l'herbe de Provence dans la bouche. Je le sens qu'il est dingue. Ah, il est dingue celui-là. Oh, c'est le meilleur. Des oignons frits. Allez, tu m'envoies ça. Désolé, tu vois. Allez, signe le chien. Mais tu respectes la chaîne. Ça va, c'est trop gros par contre. Certes, je suis trop gros. Oh mon dieu, c'est tellement bon. Bah, c'est les croquettes ton ongle. Non, c'est une dame, c'est une bon, la goûte. Hé, par contre, c'est goûter à mon caméraman pendant la vidéo. Voilà. Mon caméraman prend ma place. Goûte-moi ça. Oh là 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 là, ça va là. Comme ça, vous allez voir que c'est un vrai avis. C'est un truc. C'est pas de la tue. Jamais qu'il y en a un. Je voulais on arrête la vidéo là.
C'est pas une dinguerie. Ça mieux que tu t'inquiètes pas. Ça va Naïs? Ouais. Moi j'allais couler. Mais sauvez-le. Hey, silence. Mais souffle-lui dessus. Mais souffle-lui dessus, il y a des gens qui vont marcher dessus. Il a fait tomber la toute poudre, il boit bougie. Il boit bougie. Et on n'avait pas le temps de nettoyer alors que ça va aller refroidir. Bah oui, c'est vous l'aurez jamais vu normalement. Il n'est pas content, il a pas pris un ticket C4 pour un emballé derrière. Est venu faire avec. Prendre le produit, monsieur propre, et venu faire avec moi. Alors moi c'est un 8 sur 10 parce que pour moi c'est super bon, ça fond dans la bouche, c'est tout ce que tu veux. De base j'aime pas les tacos, mais là maintenant j'aime beaucoup à cause de ceux de Lyon. Mais pas un 10 parce que pour la perfection n'existe pas. Alors je t'explique, les 3 tacos c'était incroyable. Au niveau de la cuisson, j'ai mangé tiramisu, franchement mon repas il était incroyable. Ma note 10 sur 10, non tacos de Lyon. Bon les gars honnêtement là je dois donner mon vrai avis. Franchement 10 sur 10. Je suis 10 sur 10, j'ai pas de critique, j'ai pas de points négatifs. C'était excellent, ils ont fait super vite quand ils sont partis. Je me suis dit ils vont revenir dans 2 heures, j'ai le temps et tout. Donc du coup vraiment 10 sur 10. C'était magnifiquement bon. Et voilà hein. Bon les gars c'est la fin de cette vidéo. Je retrouve mes amis un peu perturbés par ce qu'ils ont mangé. Un peu calés pour ceux qui ont mangé beaucoup. Franchement un entier tu l'aurais fini. Non, je connais le tacos. Jamais de la vie. Voilà ici. Non, le tacos un chien. Non, je pense que même elle, elle le finit pas. Mais moi, je le finis pas. Comment ça, même elle, en mode. Alors, bon appétit, toi, avant que tu manges. Non, je mange rien, moi. Mais encore, moi, je mange rien. Moi, que je grignote, je mange rien, mais. C'est le grignotage. C'est vrai qu'elle mange pas beaucoup, elle, avec ses gars. Voilà. Non, mais elle mange pas beaucoup, elle fait du tiramisu. On a la possibilité, là. Mais sérieux, elle était bête ou quoi? Bah, moi, je trouve que vous avez mangé tout dans mon tiramisu, j'ai pas bien savouré. Ok, super, bon, le deuxième. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bon, bah, pour conclure, c'était trop bon. C'était génial. On a fait ça rapidement. Ça fait 3 jours que je suis là, je stresse pour la vidéo. Je me demande comment ça va se passer. Bon, en fait, finalement, ça s'est trop bien passé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter les prochains avis de cam que vous voulez voir sur ma chaîne YouTube. Et voilà, on fait des gros bisous. Nous, il nous reste 20 tacos. Donc, je pense qu'on va manger ça toute la journée. Là, on va les poser un peu, le temps de digérer. Et ensuite, on sort. Pour moi, ça va la tête. Donc voilà, gros bisous. Merci à mes amours d'avoir fait cette vidéo avec moi. Merci à toi. Et j'espère que vous avez aimé votre petit tacos. Franchement oui. Magnifique. Trop bon. Incroyable. Je vous aime. Allez bisous. Je m'emballe. Je m'emballe. Je m'emballe. Je m'emballe. Je m'emballe. Je m'emballe. C'est la fin de la vidéo. Je m'emballe. C'est la fin de la vidéo. Non plus fort. Je m'emballe. C'est la fin de la vidéo. J'ai vu les photos de tout. Je m'emballe.